10 ans d'écart et un père en commun, Chloé et Mado Joanet sont de vrais sosies, à en juger par les dernières photos postées par la fille des Alexandra Lamy et Thomas Joanet pour fêter les 15 ans de sa petite sœur. La comédienne a tenu à rendre hommage à sa sœurette, et les internautes ont été bluffés par la ressemblance entre les deux sœurs. Chloé Joanet continue de grandir et de devenir la meuf la plus cool de la planète. Chloé Joanet a deux petites sœurs, Mado et Isée, nées de l'union entre leur père Thomas Joanet et Armel Deutsch, mais la ressemblance qu'elles partagent avec Mado est saisissante. La fille des Alexandra Lamy, née de l'histoire entre la comédienne et Thomas Joanet en 1997, a en effet un sosie en la personne de Mado, qui vient de fêter ses 15 ans et à qui elle a rendu hommage sur Instagram. En légende d'une petite galerie de photos représentant sa cadette petite et de plus en plus grande, Chloé Joanet a écrit un message adorable à sa sœurette 15 ans aujourd'hui ma petite sœur. J'ai tellement de chance de t'avoir dans ma vie. Continue de grandir et de devenir la meuf la plus cool de la planète. Je t'aimais de tout mon cœur. Désolée pour l'étoffe, a-t-elle écrit. Les followers des deux jeunes femmes n'ont pas pu résister à la tentation de souligner leur grande ressemblance. Un copier-coller, longue vie à elle. Joyeux joyeux, OMMMG elle grandit si vite, phrase de vieille quel enfer, joyeux anniversaire beauté, cette ressemblance, les mêmes, HBD. Des messages très bienveillants qui devraient plaire aux deux sœurs si fusionnelles. Chloé Joanet, qui a pris son envol il y a quelque temps de la maison familiale mais un point d'honneur à garder de bons liens avec sa famille, qu'il s'agisse de ses sœurs, de sa tante Audrey et bien sûr de sa mère Alexandra Lamy. En fait, les enfants ne partent jamais vraiment, hein? Moi j'étais contente que ma fille découvre la vie par elle-même. Bizarrement, c'était elle qui appréhendait de me laisser seule. Elle aurait été rassurée que je trouve quelqu'un, avait déclaré cette dernière à Téléstar en fin d'année 2021. C'est beau, la famille, quand ça se passe aussi bien.